Tu cherches des mots pour te rappeler la noirceur qui a avalé le paysage en plein jour. Mais cela échappe déjà à ta mémoire, comme un rêve qui se dissout à la lumière. Tout près de toi, quelqu'un pleure doucement, alors même que d'autres autour hurlent encore d'euphorie. Comme toi, il est sous le choc de sa première éclipse totale de soleil. Subitement, un poème de Saint-Denis Garneau, appris sur les bancs d'école mais depuis lors oublié, te revient d'un coup. Le diable, pour ma damnation, m'a laissé entrevoir la scène par l'ouverture des rideaux. Il a, en se jouant de moi, soulevé le bord du voile qui cache la vie. Oh, pas longtemps. Juste à peine ce qu'il faut pour me laisser appréhender ce qui est de l'autre côté. Juste à peine pour entrevoir la fascination de la nuit. La splendeur du jour éternel. L'étonnante réalité. Vous en rêviez? Elle est là. Dans deux jours, l'éclipse totale de soleil, la dernière du siècle. Tout ce que vous devez savoir pour profiter de l'éclipse sans danger, Yves Calvi et ses invités, Roger Bonnet et Alain Sirou, Monsieur Eclipse sur Europe 1. Voilà, c'est son nouveau titre, Monsieur Eclipse, Alain Sirou. On va d'abord... Je m'appelle Alain Sirou, je suis directeur général de l'Association française d'astronomie et directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Je suis aussi consultant sur un certain nombre de médias depuis
à peu près une quinzaine d'années, donc je suis consultant scientifique sur Europe 1. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, en fait, puisque je ne suis pas scientifique. Quand l'homme a marché sur la Lune, en 1969, mes parents avaient acheté la télévision. Et c'était à la fois le mélange des deux, la magie de voir l'homme marcher sur la Lune et puis la magie de la télévision. Et bon, ça m'a absolument fasciné. J'avais 11 ans. J'ai commencé à découper dans les journaux avec mes ciseaux les photos des hommes qui marchaient sur la Lune, à faire des dossiers pour le collège, etc. etc. Puis il y a un prof qui était un astronome amateur qui m'a dit « Ah, tu t'intéresses au ciel, viens jeter un œil dans la lunette un jour. » Et puis un soir, je suis allé jeter un œil dans la lunette de ce prof, et là j'ai découvert Saturne. Et Saturne, pour moi ça a été un choc, c'est-à-dire c'était comme une petite perle entouré d'un anneau dans le ciel. Quelque chose que je voyais dans la lunette et que je voyais pas à l'œil nu. Jusqu'à 9h au 105.7 Rythme FM, vous écoutez les Matins de Paul Hood, l'émission officielle de la bonne humeur, de l'humour et de la musique. Bonjour tout le monde, bonjour madame, bonjour monsieur, il est 5h30 du matin et nous déclarons officiellement que c'est vendredi. Je m'appelle Paul Hood, je gagne ma vie dans les communications, que ce soit à la radio, à la télévision. Et je suis un pourchasseur d'éclipses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la sonde Margellina Polar Lander apporte deux messages de politiciens canadiens. Ah, ça, je te comprends. À l'intention, peut-être, d'éventuels martiens, là, qui... Oui, 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 qui voudraient venir s'établir ici, j'imagine. Cher martien! Oh boy! Ici le premier ministre d'un pays qu'on appelle, sur la Terre, le Canada. Mm-hmm. C'est le plus beau pays! Si vous décidez un jour de venir vous établir au Canada, je vous recommande de prendre le tunnel, car le pont Champlain est souvent bloqué. J'ai fait le déplacement en Europe pour assister à la dernière grande éclipse totale de soleil du siècle. C'est celle-ci qui allait au fond. Je suis plus inquiet que n'importe quelle autre éclipse auquel j'ai assisté en ce moment, en raison de la météo. Et il y a un facteur sentimental, c'est que mon père, qui a 73 ans, m'accompagne, c'est sa première éclipse, et comme il l'a dit à mon jeune fils qui m'accompagne également, il dit « Pour moi, c'est très important que je puisse la voir, celle-là, parce que ce sera probablement ma dernière, alors que mon fils de 12 ans pourra toujours se reprendre un peu plus tard. » Ça avec un ciel nuageux. Oui, malheureusement. Un beau temps avec d'éclipses. J'avais commencé à faire de l'astronomie amateur en 1969. J'ai construit mon propre télescope. J'ai poli mon miroir de télescope pendant près de 300 heures pour faire le traditionnel télescope de M. Newton. Et j'ai toujours été particulièrement attiré par l'observation des planètes, Jupiter en particulier, Mars. Jusqu'à ce que finalement, on se décide d'assister à notre première éclipse. Et le problème des éclipses, c'est comme la drogue, c'est que lorsqu'on y touche une première fois, il y a peut-être des gens qui vont s'en éloigner pour toujours, mais il y a des gens qui ne pourront jamais subir une cure de désintoxication d'éclipse. Et je suis de ceux qui sont malheureusement, irrémédiablement liés aux éclipses pour toujours. Je m'appelle Olivier Steiger, j'habite à Genève, en Suisse. Je travaille chez Prestige Location Voiture. Je m'occupe principalement de la clientèle, donc on fait de la location avec chauffeur et sans chauffeur, donc les gens peuvent louer des voitures, et puis du service limousine, donc des minibus et des minivans et des limousines Mercedes avec chauffeur, pour des tours de ville, des transferts, des roadshows à disposition. Oui, monsieur, bien sûr. Oui, monsieur, d'accord, je vous attends. D'accord, oui. Alors...
Stuttgart, Göppingen, Augsburg, Munich, Stuttgart, c'est bon ça. Le soleil est complètement revenu. Il brûle le sable tout autour, comme avant le passage de l'ombre. Mais tu frissonnes, car c'est maintenant toi, l'homme solitaire, devant le rideau refermé, dévoré par une pensée unique. À quand la prochaine éclipse? Où? Par de savants calculs, tu conjures le sombre fantôme de la lune de réapparaître, prêt à poursuivre sa trace spectrale au bout du monde, comme un amant en quête de l'amour perdu. Sans savoir qu'éclipse, du grec éclepsis, signifie abandon. Bonjour Jean-Pierre, vous êtes en direct du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, au BC d'Eclipse Info 99. Nous sommes avec une centaine de personnes, des journalistes et du public, et je passe tout de suite la parole à Alain Siroux qui va vous transmettre leurs questions. Jean-Pierre, on prépare ici l'éclipse totale de soleil, et évidemment la première question qui nous vient, c'est est-ce que vous, à bord de Mir, avec vos coéquipiers russes, allez suivre le phénomène? Est-ce que vous nous expliquez ce que vous allez faire le 11 août aux alentours de midi? C'est un événement extraordinaire, et de cet événement, il faut qu'on en sorte quelque chose. L'idée que le ciel, c'est quelque chose qui peut nous parler, mais quand on regarde le ciel, ce que l'on voit, c'est nous. Et ce que doit nous renvoyer l'image du ciel, c'est l'image de notre propre intelligence, ou de notre propre folie, ou de notre curiosité. Nous sommes dans l'église Saint-Antoine, Sankt Antonius Kirche à Bâle, Basel. On est en route pour aller à Stuttgart. Dans 3 jours, on a l'éclipse totale. Et on est venu ici jeter un coup d'œil parce que les vitraux sont faits par Hans Stocker et Otto Steiger. Otto Steiger était mon grand-père. Mon grand-père était peintre vitrier. Et il y a des grands, des énormes vitraux ici. Alors je me suis dit, c'est ça sympa de voir ça. Ça me fait tout drôle de voir la signature, pratiquement ma signature, sur ces vitraux, alors que c'est pas moi qui les ai faits, mais comme il s'appelait Otto, il a la même initiale du prénom. Alors on est dans une église, alors que je suis même pas très religieux. Certainement spirituel, mais au moment même, uniquement, je dirais, au moment même de la phase totale. Avant et après, c'est l'excitation, surtout avant, de savoir qu'est-ce qu'on va voir, comment sera formée la couronne, est-ce qu'on la verra, est-ce qu'on verra des protubérances, puis la joie des gens qui la découvrent pour la première fois, et la joie de ceux qui en découvrent une de nouveau. Mais le moment véritablement spirituel et religieux, c'est vraiment pendant la phase totale. Alors, mon église, c'est en quelque sorte toute la planète Terre. Simplement, cette église, elle se déplace selon où a lieu la messe. La messe de la fête du soleil. Ouais. Tu fouilles, étudies, analyses pour remplir l'attente, combler le vide que tu ressens. Et du coup, tu découvres la fascination millénaire qu'exerce l'éclipse sur tous les peuples de la Terre. Et tu te sens alors un peu moins seul. Le 12 février 1831, l'évangéliste noir Nat Turner est témoin d'une éclipse. C'est pour lui un signe divin. L'ange noir triomphera de l'ange blanc. Cet été-là, la rébellion des esclaves qu'il a fomenté, est vite écrasé, et Nat Turner est pendu. Je suis très effrayé par ce que j'ai vu au niveau de la médiatisation. On a vécu ici, les dernières semaines, l'idée qu'il y avait une pénurie de lunettes.
Or, il s'est produit entre 35 et 40 millions de paires de lunettes pour une population de 60 millions de personnes. Et si on y rajoute 10 millions de touristes, faut pas exagérer, ça fait plus d'une lunette pour deux personnes. Et on peut se les passer, on n'est pas obligé d'être scotché, plus, hein. Les yeux au ciel, avec sa paire de lunettes pendant 3 heures, à soir. Non, on se les passe. Eric, c'est ça. Je t'entends mal, Marie. Bon. En tout, ça fait à peu près 62 000 chez Publitrans. Et la situation est devenue paranoïaque. Beaucoup de gens pensaient que s'ils allaient faire leurs courses avec leur cabas et leurs poireaux le 11 à 11 heures du matin, ils allaient être victimes des rayons de l'éclipse. Il fallait absolument qu'ils aillent dans la cave avec un casque, des lunettes devant la télé, et encore, pour pouvoir survivre. Donc, cette idée-là, elle est drôle, parce qu'elle nous ramène à l'histoire ancienne, elle nous ramène à l'éclipse de 1624, je ne suis pas sûr de la date, mais où on avait dit, oh là là, il y aura des gaz, les fameux gaz de l'éclipse qui vont trucider tout le monde. Les gens s'étaient précipités dans les églises, et le curé avait dit, bon, ça va, écoutez, trop débordé, l'éclipse est remise à une date ultérieure. Le 26 février 1998, Haïti. Une mère administre des somnifères à ses trois enfants et en prend elle-même avant de se réfugier sous les lits pour échapper aux rayons maléfiques de l'éclipse. Aucun d'eux ne se réveillera. Et voilà, top! Nous avons maintenant la position exacte prise à partir de trois satellites qui nous donnent donc l'endroit où on se trouve en ce moment, 47 degrés, 54 minutes, 18 secondes de latitude nord, 13 degrés, 46 minutes, 41 secondes de longitude est. Et maintenant, avec la carte, on va déterminer exactement si on est sur la ligne centrale. Je pense que j'aurais été un bon bénédictin parce que quand je calcule pas les éclipses, je compile des statistiques d'athlétisme. J'ai tous les résultats dans toutes les épreuves d'athlétisme jusqu'à une profondeur de 150 athlètes depuis 1964. Et tout le travail a été fait à la main dans des cahiers. Vous savez, les fameux cahiers avec les chiens, puis l'image des chutes Niagara. Un bon vieux cahier brouillon. Et encore aujourd'hui, je suis membre d'une association de statisticiens d'athlétisme, des gens un peu fous, qui compilent des données sur les plus grands athlètes chaque année, dans chacune des épreuves. Et je me demande encore pourquoi je fais ça. À partir du moment où on commence à douter de ce qu'on fait, c'est une période très, très sombre. Et c'est un peu le cas pour, par exemple, des gens qui développent des passions, que ce soit pour la musique, que ce soit pour la philatélie, que ce soit pour les arts, pour la mycologie, qui collectionne des minéraux, n'importe quoi. À un moment donné, ils ont une période de doute et tout s'effondre autour d'eux parce que tout leur univers a été dominé par quelque chose qui est impossible à atteindre, c'est-à-dire la perfection. Il nous manquera toujours le timbre, il nous manquera toujours la statistique, il y aura toujours quelqu'un sur Terre qui sera meilleur que nous. Alors, cette recherche de la perfection-là peut être un peu dangereuse. Et je remarque une constante chez tous les pourchasseurs d'éclipses que j'ai rencontrés. Ce sont tous des gens qui sont à la recherche de quelque chose de très précis dans leur vie et de bornes sur lesquelles ils peuvent réaliser ce qui s'est passé dans leur vie. Alors, c'est extraordinaire, les éclipses, parce que moi, je suis capable de donner la date précise de chacune des éclipses. 10 juillet, 72. 26 février, 79. 16 février, 80. 10 mai 1984. Et à travers toutes ces bornes-là, qui sont des points de repère, il s'est passé un tas de choses dans ma vie. Entre l'éclipse du Manitoba et l'éclipse de Virginie, je suis marié. Entre l'éclipse de la Virginie, où j'étais seul avec Francine, et l'éclipse du Mexique, il y a deux garçons qui sont apparus. Entre l'éclipse du Mexique et celle d'Europe, il y a mon père qui vient avec mon plus jeune fils. Qu'est-ce qui va se passer dans les deux prochaines années entre ce point de repère que j'ai là et l'éclipse africaine de 2001, 21 juin 2001? Mais on est tous à la recherche de... Et quand on se parle entre pourchasseurs d'éclipses, c'est ça qui est extraordinaire. On se donne des dates, une pression comme ça, et ça fait rire tout le monde autour de nous. Le 22 janvier 685, la Mecque.
Ibrahim, l'unique fils du prophète Mahomet, meurt tragiquement en ce jour d'éclipse. Certains fidèles voient alors en cela un signe de Dieu. Mahomet les réprimande en déclarant que le soleil et la lune sont des manifestations divines qui ne s'éclipsent ni pour la naissance ni pour la mort d'aucun homme. Room service. Ah! Hey. Candid camera. Ah, faut pas frimer le désordre, j'ai rien mangé. Non. Attention le câble, je suis en train d'installer la caméra pour faire un petit doigt de cam. Okay. Just keep showing what he's doing. Zéro. Le... J'étais en train de vous demander. Voilà, ça c'est l'image qui balance. Ce qui fait que maintenant, en principe, elle doit être changée. Yes! Donc je filme avec la caméra qui est branchée sur un petit appareil qui s'appelle Snappy, qui digitalise une image fixe. Donc c'est pas un film, mais c'est une image fixe tirée de la caméra directe. Digitalisé, envoyé dans l'ordinateur, et avec l'ordinateur, par la ligne téléphonique, envoyé sur la page internet. Hey, I got a fridge here. Olivier, raconte-moi pourquoi tu fais des webcasts. Pour partager, parce que sinon, moi, je suis tout seul à voir ça. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas venir ici à Stuttgart, qui ne peuvent donc pas voir l'éclipse totale. Et bien, comme ça, je partage ma passion. Je le présente sur un site internet et ceux qui sont intéressés mais qui ne peuvent pas se déplacer peuvent quand même le voir. À savoir... Est-ce que tu penses que c'est vraiment une folie, tout ça? Une folie? Mais bien sûr, mais l'être humain est fou. Donc tout ce que fait l'être humain est fou. Alors on s'amuse. Ce serait vraiment triste s'il n'y avait pas de folie dans ce monde. Si tout était organisé... logique. Le démon Rahu est jaloux des dieux du Nirvana. Il décide de se déguiser en servante au banquet céleste pour s'emparer de l'élixir de l'immortalité. Il parvient à en boire une gorgée, mais sa ruse échoue lorsque Vishnu, averti, lui tranche la tête. Depuis, rendu immortel par son contact avec l'élixir, la tête de Rahu, folle de rage, pourchasse les dieux solaires et lunaires pour les dévorer. Elle y parvient parfois, au moment d'une éclipse. Mais aussitôt avalée, l'astre réapparaît par la gorge coupée. We are from Skywatchers Association of North Bengal. He is Abhishek. Shrutishmita. Hello. Say goodbye. Yeah. And the youngest member of my society, my son. Jorebolo. What he is saying in Bengali, we have come here to see a solar eclipse. So he knows what is solar eclipse. India, it's a big place, big country. So, if we draw this way, we are at the, roughly this is India. My place is here. This is Darjeeling. Here is Nepal, Bhutan, Sikkim. And now, we are here. It is approximately 4,000 kilometers. That are not very comfortable traveling. With lot of hazards, lot of troubles.
A lot of things. You count down. 10, 9, 8, 7, 6, 5, like this. 17, 59, and 34. Announce it for T1. The T1 hover at least 20 minutes earlier. তোমার সেট রেডি থাকা চাই। কিরকম করে ছবি হয়? ছবি তুলো কিরকম করে ছবি? এই যে সূর্যগ্রহণটার ছবি তুলে দাও। Le 28 mai 585 avant notre ère, Asie mineure. Les armées de Lydie et de Médice se livrent un autre combat sanglant dans une guerre qui dure depuis 5 ans, lorsque le jour se transforma en nuit. Foudroyés de peur à la vue du soleil noir, craignant d'avoir offensé les dieux, les belligérants déposent les armes et conviennent d'un traité de paix sur le champ. Il n'y a pas eu d'éclipse totale de soleil à Jérusalem depuis le 2 août 1133. La prochaine aura lieu en 2241. Dans l'histoire, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'elles ont effrayé les populations. Évidemment, parce que quand on ne savait pas ce qu'était le phénomène, quand on était incapable de le prévoir, et on n'a pas su le prévoir vraiment physiquement avant le XVIIIe siècle, c'est Edmond Halley qui est le premier à imaginer, à dessiner un tracé d'éclipse, alors ça arrivait. On savait qu'il allait y avoir éclipse, mais ça arrivait avec quelques heures de décalage. Et les populations n'étaient pas prévenues, c'était les lettrés, c'était les gens qui avaient des connaissances qui le savaient. Donc, on a l'information de grande terreur, de grande peur, de gens qui, tout d'un coup, ne comprenaient pas du tout pourquoi le soleil disparaissait. Et les conséquences étaient assez originales, puisque les civilisations faisaient du bruit pour chasser le démon. C'était pour elles l'obscurité qui gagnait la lumière, et la seule chose qui revenait dans toute l'idée des civilisations, c'était qu'un monstre était en train de manger le soleil. Et il fallait faire du bruit pour le chasser. Et donc partout on retrouve, comme ici, les gens qui tiraient des flèches enflammées pour chasser le dragon, ceux qui tapaient sur des cymbales ou des tambours, ceux qui jetaient de l'eau pour éteindre la bagarre qu'il y avait là. Et en plus ça marchait, parce que après avoir fait beaucoup de bruit et lancé beaucoup de flèches, le soleil réapparaissait. Donc la preuve était faite que ça fonctionnait plutôt pas mal. Toute ma vie, je crois que je hurlerais toujours de rire en pensant que des rois ou des princes se disaient « Qu'est-ce que veut me dire le ciel en m'adressant ce message ?» Qu'un type pense ça, c'est profondément invraisemblable pour moi. Et puis en même temps, je me dis que lorsque j'ai vu la première éclipse en Sibérie, par exemple, c'est tellement incroyable. Ça a changé les gens autour de moi. Et l'équipe du KGB de l'époque qui nous suivait pour se demander c'est qui ces gars-là avec leur drôle d'instrument, est-ce qu'ils vont pas faire de l'espionnage, ils étaient assis par terre, comme les autres. Les militaires dans la caserne chilienne, qui était très Pinochet, même si c'était après le départ de Pinochet, mais alors vraiment défilant encore au pas la veille de l'éclipse. Après l'éclipse, ils étaient assis comme les autres par terre, en train de fumer un clope, et personne ne leur disait rien. Le chef, il était là lui-même. Et ça, moi, ça m'a toujours explosé, parce que d'imaginer que c'était capable de changer des gens du KGB et des types qui étaient des militaires chiliens sous le régime Pinochet, je me suis dit que le monde ne pouvait pas être profondément malhonnête si un événement céleste comme ça le transformait. Donc j'ai toujours eu envie de voir quelle était la conséquence partout où l'éclipse passait sur l'environnement. Il y a des endroits où c'est quand même franchement caricatural, quoi. Mon conseil personnel maintenant, c'est que pour réaliser une photo, il faut faire attention à plein de petits détails. Être bien au point, être bien calé sur les temps de pose. Et tout ça va très très vite. Vous savez que l'éclipse dure peu de temps. Si vous n'avez jamais vu l'éclipse totale de soleil, peut-être que l'appareil photo, vous le laissez de côté. Il y a plein de gens qui vont faire de très belles images. La meilleure image que vous conserverez, c'est celle de votre souvenir, celle de l'émotion. Et j'allais dire, ne tentez pas le diable, ce serait vraiment dommage de ne voir l'éclipse qu'à travers un téléobjectif.
Tu pars à la rencontre de l'ombre avec tes instruments. Tu t'équipes pour mieux capter le réel. Mais tout cela ne vient pas à bout de ton vertige devant cet éclat d'absolu. Et chasseur, c'est à ton tour d'être en proie à une ombre intérieure que tu n'arrives pas à chasser entièrement. Pour les Tahitiens, l'union du soleil et de la lune lors d'une éclipse procrée les étoiles. Chez les Inuits, le frère lunaire, jaloux de sa sœur solaire, la pourchasse à travers le ciel jusqu'à ce qu'il la rattrape au moment d'une éclipse et la viole. Is it now live? Yeah. Okay, good. No, this is set to Tokyo. This picture is in Tokyo now. Yeah. Les Japonais font une retransmission sur le site solar-eclipse.org et ils le font depuis 7 différentes villes. Et ils m'ont demandé si j'allais le faire avec eux. Je dis oui, super. Ce qu'il y a, c'est que quand j'ai vu une fois une éclipse, ben, j'en ai vu une, et puis une deuxième, et une troisième, et puis après, ben, j'essaye chaque fois de faire quelque chose de plus. Ben, je veux dire, je pourrais aussi ne rien prendre de tout ça, simplement prendre, voyager, puis aller la voir, juste pour la voir, juste pour moi. Oui, c'est peut-être plus égoïste de l'avoir uniquement soi-même. C'est pas méchant, mais là, j'aime bien être involved, faire partie d'un projet, de m'amuser. Je suis un petit peu inspecteur gadget, là, avec tous ces équipements. Et si ça marche, je suis tout content. Si ça marche pas, c'est pas grave. Il y a des éclipses très souvent. On essaiera la prochaine fois. Aïe, 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 showers, 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 showers. Demain et mercredi, de la pluie. Ça, c'est sur Yahoo. C'est pas beau, hein. Mais bon, j'ai toujours bon espoir, parce que la météo, c'est un peu comme la politique, on a le droit de mentir sans être responsable. Vous couperez ça, vous le mettez pas. Enfin, si vous pouvez le mettre, voilà. Voilà, partly cloudy. Ouf, tu vois, il suffit de voir un site un peu plus optimiste, là. 3-day forecast for Stuttgart. Partly cloudy. Et ce que je regarde en ce moment, c'est, ça me rassure pas mal, parce que c'est une carte météo qui vient de sortir il y a à peine 35 minutes et qui me montre derrière l'Autriche quelques petits nuages et il y a un ciel complètement dégagé derrière. Une heure et quart avant qu'il pleuve, il n'y a rien de surprenant. On est dans un pays où il pleut. Où il pleut, oui, tempéré. C'est clair. Oui, oui, il y a toujours de l'espoir. Tant que l'éclipse n'est pas totale, il y a toujours de l'espoir. La partialité, c'est une anecdote. C'est normal, il faut se faire un peu de frayeur. Il faut avoir un peu d'angoisse au ventre. Il y a quelque chose que j'ai pas compris avec la chaîne. Quand il a un invité, moi je peux pas lui poser de questions. Hein. Voilà, il y a la pluie qui revient, c'est bien, super. Voilà.
là, il y a un nouveau fiston qui arrive. On dirait, regarde, c'est un véritable mur. Hey. Encore une heure, même pas pour... avant le début. Je dis avant le début, c'est pas trop grave. Mais dans exactement 2 heures, c'est la totale. Et là, on dirait vraiment un nouveau mur qui arrive. Le vent vient de là, d'ailleurs. Bon, bah dans 2 heures, on verra ce qu'il y aura. Dire. This case contains all the lenses and elements. All the packaging materials, all the telescopes, all the stands, all the gadgets, and our own interest. Those are from within. So this is the main thing. So let's hope that we'll be getting the sun. If we don't get, obviously all of us will lose our heart. I've lost a mirror. It has gone. You see, it's broken. You see, it's broken. So now, what I'll have to do? Yeah. So now, what I'll have to do? I'll have to make a makeshift arrangement. Because without this, as per my planning, this is very essential. These are not a very high quality. Those are very simple things. What are you going to do? I can't help. I'll have to make it. Somehow. You have super glue. Dans un communiqué, le comité médical de Cornwall déconseille aux Anglaises du comté de tomber enceinte en novembre, à 9 mois de l'éclipse totale du mois d'août 99. On craint qu'elles ne puissent se rendre à l'hôpital pour l'accouchement suite aux embouteillages causés par l'affluence de millions de curieux. Le jour de l'éclipse, les conjurations des druides anglais ne parviennent malheureusement pas à écarter les nuages qui cachent le spectacle tant attendu. Par ailleurs, 2 ans plus tôt, en Mongolie, des moines bouddhistes récitent des incantations pour que les nuages occultent l'éclipse et neutralisent ainsi son énergie négative. Après avoir bravé distance et froid, la plupart des chasseurs occidentaux rentrent chez eux bredouilles, sous un ciel bouché de neige. Oui. Premier contact. Oui. Non. Je pense pas que ça donne grand-chose. C'est pour la lune, papa? Il est complètement disparu pour le moment. La lune va passer devant, c'est ça? Complètement disparu pour le moment. Ah, maintenant, ils sont tous fâchés avec moi parce que je les ai entraînés ici. Elle est où, la sortie de secours? Il y a de beaux trous. Il faut le commander pour le bon moment. Ils sont pas bien placés.
c'est peut-être l'éclipse qui me rappelle le plus ma première à Capcha. Mais celle-là est encore plus frustrante parce que de temps à autre, le soleil sort parfaitement éclatant. On voit venir un autre nuage. Il y en a un autre qui passe. Il y a un trou. De gros nuages. Un trou. Alors, on se dit, à moins de 40 minutes de la totalité, est-ce qu'on sera dans un trou ou dans un nuage? Pour le moment, il y a plus de probabilité de nuage que de trou. J'aime pas du tout ce qui-vive-là. On va faire une affaire. Je te donne une pièce. Pile, on la voit. Face, okay. On la voit pas. OK. Envoie-moi ça. À terre? Non, non, tu la rattrapes, si t'es capable. Viens monter. C'est un 1. On la voit. Ah! Alors, faut être optimiste. Ouais. Hey! Oh, l'ami! Ah, l'ami! Marenge! Oh, Selena, Harenge! Am the Baji, Marenge! You cut a jay, Come on! Allez, 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 allez! Oh no! Il y a un mauvais de nuages qui vient. Oh! Voilà, ça va être incroyable! La lumière baisse à vue d'œil, et c'est tout à fait stupéfiant de voir à quel niveau le phénomène est global, comment il est total, comment il concerne l'ensemble du paysage sur 360 degrés. On est près d'une fin du monde ici, une fin de la lumière, un début de l'obscurité, c'est tout à fait impressionnant. C'est beaucoup plus simple que s'il n'y avait pas de nuages. Oh! Et c'est comme le... L'ombre s'en vient. Le paysage s'éteint, il fait nuit. On va voir arriver cette ombre. Voilà, encore quelques secondes, voilà, tout le monde se met à hurler, à crier. On voit des flashs partout, il fait nuit. Attention. Diamond Ring, totalité en vinyle. On voit des points d'espérance partout. L'ensemble du paysage est éclairé par des flashs, par des lumières. On sent qu'il y a du monde un petit peu partout. Il fait nuit noire. C'est très impressionnant, c'est l'éclipse totale. Oh, c'est incroyable! Oh, la couronne qui apparaît! Il y a un trou dans le nuage! Oh! Ça fait perdre mon soleil, là. Voilà, le paysage est en train de se rallumer, ça y est, quelqu'un est en train de tourner la manette à l'envers, le paysage se rééclaire à nouveau, on aperçoit les maisons, on aperçoit les fermes, la lumière revient, l'éclipse est terminée, enfin l'éclipse totale, elle est terminée, voilà, tout se rallume, c'est proprement stupéfiant. Et puis des applaudissements pour la nature, des applaudissements pour le spectacle. Diamond Ring, Bravo. Regarde, ça revient, c'est la lumière. Ouais, la lumière revient. Regardez le cône d'ombre qui s'en va vers l'est là-bas. Quelle merveille. Un moment d'infinité. That's
something that we have to experience. In our life, right? Yes. Yeah. You're absolutely right. On l'a vu. On l'a vu. Ouais, on l'a eu. C'est formidable. Diamond ring. Pour la caméra, ce qu'on a vu. Ça. Oh là là. Pour dire, hein? Pas sur la caméra, ce qu'on a vu. Ouais. J'ai bougé un peu, j'étais trop ému. C'est dommage. Très dommage. Ben, j'ai rien à dire, c'est... on n'a rien vu, mais alors rien du tout. C'était tout couvert et il pleut encore. Par contre, pardon, on a juste vu tout à l'heure sur Internet, en direct, la couronne depuis la Roumanie, même avant depuis l'Autriche. C'était pas mal, vraiment splendide ce qu'ils font comme travail, là, la retransmission directe. Et puis dans quelques minutes, ils l'auront en Turquie et ensuite encore en Iran. Mais c'est pas la même chose quand tu regardes. Ah non, bien sûr que non. Non, ben, t'as vu comme c'était venu, là, le noir. C'était impressionnant. Et puis après, tout à coup, j'ai quand même réalisé que merde, je vais pas la voir. C'est la première fois que tu la vois. C'est la première fois que je la vois pas du tout. Faut que je me trouve un hobby qui est moins dépendant de la météo. This is going to be the totality. And you missed it. Just see 25 the... seconds more. Start countdown. Countdown. Start countdown. Countdown. So this is the totality. We are entering into the totality. 7, 6, 3, 2. Jodi, light up on the door. Light up on the door. So the eclipse gone. Totality is over. It is over. Le 11 août 1999, Roumanie. Une femme accouche à l'ombre de la lune. Quelques jours plus tard, on retrouve le corps inerte du bébé au fond d'une latrine où sa mère l'a jeté. Elle explique aux autorités qu'il le fallait, que né sous un soleil noir, l'enfant était maudit. Celle-là, elle va être tout à fait spéciale parce que mon père était ici et que mon fils était ici. Ça n'a pas été la plus longue, c'était la plus courte éclipse que j'ai vue. Ça n'a pas été dans le ciel le plus dégagé, il y avait des nuages.
Mais par contre, au niveau de l'émotion que cette éclipse-là m'a apportée, elle surpasse en tout. Tout ce que j'ai pu voir d'autres éclipses, incluant la longue totalité de 7 minutes au Mexique. J'ai eu très peu de temps et je suis fier d'avoir consacré 30 secondes des 2 minutes 20 à bien m'assurer que mon père était bien installé, que mon fils était bien installé. Je pense que c'est ça que je retiens le plus, ce qui m'a empêché de pouvoir faire la mise au point sur ma vidéo caméra pendant 30 secondes. Peut-être je le fais, probablement je le fais beaucoup plus, non pas pour notoriété, mais pour moi-même être connu et rencontrer des gens. Et dans l'ensemble des gens que je rencontre, j'espère rencontrer mon âme sœur. Non, honnêtement, j'espère peut-être rencontrer mon âme sœur à travers ce moyen-là, au lieu d'aller dans une agence matrimoniale et que de moi aller chercher des gens, me faire connaître et que des gens me voient. Et parmi les gens qui me voient, il y a peut-être quelqu'un qui me trouvera, quoi. Peut-être, peut-être c'est ça, je sais pas. Non, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. J'ai une compagne absolument adorable avec qui j'écris un livre sur l'éclipse. Que j'ai fait travailler comme une folle pour réussir le journal de l'éclipse, que j'ai fait craquer. Parce que ne travailler que sur ça... et ne plus s'occuper de sa vie personnelle, à un moment donné, ça explose, et que j'ai l'intention de retrouver complètement après l'éclipse. Et donc, cette éclipse de la vie personnelle, elle n'est pas acceptable. The saddest part of the story is that I couldn't show my son what is solar eclipse. This could be the first solar eclipse of his life, which I have seen in 95. My first solar eclipse, total solar eclipse, was in 95. At that time, I was of around 28, 27. But this could be his first solar eclipse at the age of 2+. At the age of 60, he could say, yes, I am a man. I have seen 6 solar eclipses in my life, 8 solar eclipses in my life. Je ressens en ce moment à peu près ce que je ressens chaque éclipse. Il y a une espèce de vide qui s'installe et qui doit être comblé par la perspective d'en voir une autre. C'est un peu comme on comparait ça au phénomène d'une drogue. Et ben, j'ai besoin de me réinjecter le plus tôt possible dans la prochaine éclipse. Je pense pas que je vais pouvoir arrêter de aller voir les éclipses totales. Ou alors, il faut vraiment que j'aie une autre passion très, très importante. C'est pas possible. Je veux dire, si jamais je me marie et que j'ai un gosse qui va naître le jour où il y a une éclipse à aller voir, je pense pas que j'irai voir l'éclipse. Je resterai avec ma femme à assister à l'accouchement et prendre le bébé dans mes bras. Je pense, j'espère que ce sera plus important. C'est pas sûr, mais j'espère que je serai suffisamment amoureux d'une femme pour partager la naissance d'un bébé en commun avec elle et non pas aller à l'autre bout du monde voir une éclipse ce jour-là. Ça, c'est un cas extrême, tu vois. Mais... si ça doit se faire, ça se fera. Je suis pas obsédé par les éclipses. En plus, franchement, là, pour le compte, j'ai eu ma dose. Non pas de l'éclipse, mais de la préparation qu'elle suppose. La prochaine fois, quand j'irai voir une éclipse, j'essaierai d'y aller les mains dans les poches. La dernière fois, je m'étais dit sans appareil photo, sans caméra. J'avais pas dit sans radio. Maintenant, je dis sans radio. Donc... comme ça, pour le plaisir, juste en faisant rien, juste pour la voir. That's a nice way of doing it. My final word is sorry. We couldn't show you the eclipse from India this time. So do come next time, 2009. I live till I see the next eclipse, until I can show my son a total solar eclipse. I live, even if it is. Even if for that, I have to live for 1,000 years, I'll live. And I'll see next eclipse. La
Quelle extase. Nous sommes ivres, mon cœur et moi. Nous sommes fous. Et nous demeurons dans la salle, quoique le voile soit tombé. Et nous regardons avidement la place maintenant bouchée, le rideau maintenant fermé. Va-t-il s'ouvrir bientôt? Demain? Et le diable continue ainsi, toujours à 100 reprises, son manège. Je l'entends rire dans les coulisses et s'amuser de notre mort à petit feu, à mesure qu'il voit surgir la folie au fond de nos yeux agrandis. Il sait bien que nous sommes dupes, et c'est son plaisir. Nous le savons aussi d'ailleurs, mais nous ne voulons pas y croire tout à fait, parce qu'il faudrait renoncer et s'en aller, alors que le voile sera peut-être levé dans un instant, et pour toujours.